Excellent travail, Paco! Allez, les enfants, ça c'est une belle journée! Croat, j'espère que tu as apprécié le tournage, Paco! Parce que ce sera ton dernier! Voyons, il y en aura assez pour vous quatre, vous savez. Ah, mon t-shirt. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Bon, je me sens bien, mais j'ai le nez bouché depuis ce matin. T'es peut-être allergique à quelque chose? Aux fleurs, tiens. Non, c'est pas ça. Bon, alors c'est peut-être les céréales. Qui sait quelle substance chimique ils ajoutent pour qu'elles se conservent plus longtemps? Il y a que des céréales absolument délicieuses dans cette boîte. Ne t'inquiète pas, mon petit. Marc est à fond sur le coup et va étudier ce qui te rend malade. Wow, c'est ce que j'appelle un éternuement cyclonique. Ouais, c'est vrai. Et je viens juste de découvrir à quoi c'était dû. Je suis allergique à Marc. Quoi? C'est comme dans ce film que j'ai vu, Hatchoum Cola. Les personnages passent tellement de temps ensemble pendant l'été qu'ils deviennent tous allergiques entre eux. Maintenant, c'est officiel, tu as complètement perdu la boule. Écoute, réfléchis deux secondes, on partage la même chambre. À l'école, nos deux casiers sont côte à côte. On partage même nos sous-vêtements des fois. Nos sous-vêtements? Et depuis quand on partage nos sous-vêtements, tu peux me dire? Ça m'arrive d'être en panne de caleçon. Mais peu importe, ce qui compte, c'est de trouver rapidement un moyen de me protéger de toi. Bonjour, Spizehead. Désolé de vous interrompre. Pas de soucis, patron adoré. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Pour commencer, passez à mon bureau avant d'aller à l'école. Si je veux m'éloigner de Marc, ça va devoir encore attendre un peu. Désolé de vous whooper de si bon matin, Spizehead, mais j'ai une importante mission pour vous. D'accord, quel genre de mission? Vous allez enquêter sur une célébrité qui a disparu lors du tournage d'une publicité. Oh, vous voulez dire qu'on va se frotter au monde des stars et des paillettes? Disons plutôt au monde des babales et des croquettes. La célébrité disparue se trouve être un animal, un Paco pour être précis. Un chihuahua très connu puisque mascotte de la marque Paco Bouletas. Oh, c'est vrai? J'adore le petit Paco! Il est trop trop craquant! Je suis membre de son fan club depuis ses débuts, vous savez? Vous m'envoyez ravi. Parce que votre travail est de découvrir ce qui est arrivé à cette petite bête. Et bien évidemment, étant donné sa notoriété, votre enquête et sa disparition doivent rester secrètes. Vous pouvez nous faire confiance, nous ne dirons rien. Excellent, et voilà pour vous. Et le sombrero rapido transformiste, les freeze boules de neige et le transfo biphasé. C'est quoi exactement? Non, c'est une merveille, fraîchement sortie du labo. À son contact, la matière se transforme. Et maintenant, bonne chance, Spizehead. Oh, pourquoi t'es si pressé, monsieur allergique? Tony, attends-moi! Ah, j'ai sali les dauphins. Hey, c'est pas parce qu'on fait équipe tous les deux sur cette mission qu'on est obligé d'être collés l'un à l'autre. Quand on fait équipe, il faut rester ensemble, d'accord? Alors arrête de t'enfuir et concentre-toi un peu sur la mission. Je suis d'accord. Et d'après l'ordinateur de bord, nous arrivons enfin à destination. Cette caravane est le dernier endroit où Paco a été vu. Apparemment, il n'y a personne dedans. C'est la situation idéale, alors arrêtez de vous disputer et fouillez les lieux. Oh, et n'oubliez pas, rapportez-moi quelques photos inédites. D'accord, mais t'as pas intérêt à me coller, je te préviens tout de suite. Ah bah là, il va nous falloir d'autres clichés parce qu'elles sont floues.
C'est fermé. On va avoir besoin d'un gadget. Essayons le transfo biphasé. On va utiliser l'option liquéfaction. T'es trop prêt? Oh, génial! Oh, j'adore les gadgets efficaces et scientifiques. Wow. Oh, tout ça pour un chien! Oh. Wow, pour une niche, c'est un peu trop, non? C'est clair, il a des goûts très luxueux pour un chihuahua. Oh, regardez, il a même un sèche-cheveux en forme d'os. Et regarde, des griffures. Dans ce cas, soit le petit chien s'est amusé à grimper au plafond, soit il a eu une mauvaise visite. Envoyons une photo à Jerry, il trouvera peut-être ce que c'est. Les gars, on a un Paco problème. L'opération Sauver Paco est sur le point d'être compromise par un paparazzi. Il ne faut surtout pas qu'il nous voit. Vas-y, utilise encore le transfo biphasé. Oh non. Oh, code rouge, on a été repérés. Vous pouvez faire diversion. D'accord, équipant. C'est parti pour une super action turbo. Oh non, là, qu'est-ce qui se passe? Bon travail, équipe 2. Jerry a pris des vêtements propres à la maison et les a mis dans mon casier. Oh, incroyable! Comment Jerry sait que j'aime porter un jogging le mercredi? Hey, où sont passées toutes mes affaires? J'ai téléphoné à Mademoiselle Shields et je lui ai demandé de t'attribuer un nouveau casier dans le hall. Comme ça, je peux aller en cours sans risque d'éternuement. Tony, comment t'as pu? Désolé, Marc. À situation désespérée, décision désespérée. Hello? Bonjour, Spicehead. J'ai une petite information pour vous. Oh, vous avez fait analyser notre photo? Tout à fait. Et j'affirme sans le moindre doute que ces traces ont été faites par des griffes géantes. Par conséquent, ça viendrait d'un animal? Je n'en suis pas certain, mais cette créature mesure pas loin de 2 mètres. Oh! Alors, on est censé faire quoi maintenant? Oh, misère. On m'informe qu'un autre animal célèbre, un lézard nommé Gordon, mascotte d'une compagnie de croisière, a été enlevé. Rassurez-vous, on commence l'enquête tout de suite. Pour tout vous dire, j'ai une autre idée. Au lieu de pourchasser notre méchant, on pourrait tenter de le doubler. Oui, j'aime quand vous dites ce genre de choses. Vous pensez à quoi? Vous allez protéger un porcelet connu nommé Bacon. C'est la mascotte d'une marque de jouets. Comme ça, si le méchant essaie de le kidnapper, on le prendra sur le fait. Tout à fait. Et maintenant, au travail, les enfants. Ça y est, la maison de Bacon apparaît sur le radar. La maison? Tu veux plutôt dire le manoir? Pilotage automatique enclenché. Même si l'endroit est grand, il vaut mieux effectuer une approche discrète. Cool! Alors on va pouvoir se déguiser. Voilà! Gouvernante de Star expérimentée à votre service. Le meilleur homme d'entretien de piscine au monde, Tony! Un apiculteur? Mais c'est complètement nul comme déguisement! Moi, je trouve ça parfait. Tu vas rester dans le jardin de Bacon et comme ça, mon allergie me laissera tranquille. Hachou! Rien à signaler ici. Vous voyez un truc inhabituel? À part cette chambre de cochon plus sympa que la mienne, rien du tout. Pareil pour moi. Ici, tout est luxe, calme et sérénité. Bien. Et toi, Marc? Franchement, je vois pas grand-chose. Oh! Mais j'entends Bacon! On dirait qu'il a des ennuis! Ne t'éloigne pas, on arrive tout de suite! Oh, c'est nul! Mais comment je peux le suivre à la trace avec un bol sur la tête? On passe au plan B! Visiocom, à toi de jouer! Waouh! Dis donc, Jerry ne mentait pas quand il disait qu'il mesurait plus de 2 mètres de haut! Je vous tiens!
Oh, je vous tiens plus. Oh là, oh là, excellent, l'apiculteur. Bravo, t'as montré à ce méchant qui était le vrai patron dans l'histoire. C'est pas ma faute. C'est ce costume ridicule. Nous voilà revenus au point de départ. Pas forcément. Oh. Regardez. Donc, Bacon a été kidnappé par une autruche. Un seul moyen de le savoir, faire analyser cette plume jaune par Jerry. Génial! Comme ça, l'odeur de Marc ne pourra plus m'atteindre pendant mon sommeil. Non, oh, Tony, mais qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, je te mets en quarantaine. Comme ça, je peux vivre une vie normale. Enfin libre! Tu parles d'une vie normale? Coucou, mes petits Spy-Z. Jerry? J'étais dans les parages, alors j'ai décidé de passer vous voir. Oh, misère. Quelle décoration intéressante. Merci. C'est une création de Eltony. Alors, vous en savez plus sur la plume jaune? Ah, oui. Synthétique. Mais ça vient d'un costume de poulet. C'est encore plus étrange que mon idée d'autruche. Tu peux faire une recherche pour savoir à qui il appartient? Avec grand plaisir. Oh! Il y a deux costumes dans le coin fabriqués avec ces fausses plumes. Le premier est dans une boutique et n'a pas été loué depuis Halloween. Le deuxième appartient à Paul Cotcot. Paul Cotcot? Bah c'est qui ça? C'est un comédien et c'est aussi la mascotte de la ferme d'antan. Il porte ce costume pour vanter les produits de la ferme depuis bientôt 30 ans. Quoi? Une autre mascotte célèbre? Mais c'est forcément notre homme. C'est certain. Envoyez-nous un véhicule qu'on le poursuive. Et si vous me suiviez plutôt? Et voilà, la dernière adresse connue de Paul Cotcot. À très bientôt et bonne chance. Alors là, on vient de vivre un truc plutôt étrange. Et assez effrayant. Je savais pas qu'un tunnel partait du placard de leur chambre. Bon, allez, il est grand temps de retrouver notre poulet géant. Ouais, bah c'est un hangar comme les autres, moche et humide. Mais ça, c'est très bizarre. Hey, regardez, ça ressemble à un poulailler mécanique, non? Hallucinante. C'est Bacon et mon petit Paco. Allez, on se bouge. Il faut les sortir d'ici. Ne bougez pas. J'imagine que vous êtes Paul Cotcot, le poulet de la ferme d'antan. J'étais, oui, mais jusqu'au mois dernier, où ils ont décidé de me remplacer par Ricotte, un véritable poulet. Oh, alors c'est pour ça que vous volez des animaux célèbres, parce que vous êtes jaloux? Mais pas du tout. Je les vole pour pouvoir me venger. Et grâce au collier qui contrôle leur cerveau, ces petites bêtes vont m'aider à attaquer mon ancien employeur et le poulet qui a pris ma place, Cocotte! C'est un peu excessif. Demandez des excuses à vos anciens employeurs, ça aurait suffi. Bien sûr, mais ils me les présenteront une fois que j'aurai attaqué leur ferme et détruit tous leurs entrepôts. Cocotte! Tu es trop sûr de toi, jeune fille, Cocotte! Vous avez pas le droit! T'inquiète, Mégane, on va la voir! Oui, on va pas le laisser faire! Faites très attention, bande de gamins! Vous marchez sur des œufs! Il est très fort! C'est dégoûtant! Alors là, désolé, mais vous l'avez bien cherché! Et c'est toi qui vas le trouver! Franchement, j'ai un peu honte. Moi aussi, on s'est fait avoir comme des petits poussins par un poulet géant. Je vais devoir vous laisser. J'ai quelques petites choses à faire dehors. À plus tard, les enfants.
Bon, maintenant ça suffit. J'en ai assez de ce poulet. Il est temps qu'il voit ce qu'on est capable de faire. On doit faire vite si on ne veut pas qu'il détruise la ferme d'antan. Dites, vous avez entendu ça? Oui, et ça n'avait pas l'air d'être amical. Ok, cette mission est vraiment la plus surprenante de toutes. Ne vous inquiétez pas, les prises boules de neige vont pouvoir nous aider. Ouais, t'as assuré. Excellent, Tony. Génial. Vous me remercierez après. Pour l'instant, appelons Jerry pour qu'il nous envoie un véhicule. Bon, Marc, trouve-nous le meilleur itinéraire pour aller à la ferme d'antan. Je te fais ça tout de suite. Tiens, mais au fait, Tony, ça fait pas mal de temps que t'as pas éternué. Normal, c'est parce que son allergie est imaginaire. Non, pas du tout. C'est parce que je suis en mode agent secret. Mon professionnalisme m'empêche d'être distrait par autre chose. Tenez-vous prêts. Notre radar vient de repérer Paul Cotte-Cotte. Ou à moins que ce soit un autre poulet géant, mais là, il y a peu de chance. C'est bien lui, un tas de plumes de pure méchanceté. Alors accrochez-vous parce qu'on va le rejoindre. Je sais que ce ne sont pas les conditions luxueuses dans lesquelles vous voyagez habituellement, mais il faut s'y faire. Ça y est, nous atteignons enfin notre cible, cette chère ferme d'antan. Nous pouvons amorcer notre descente et enfin passer en mode ebrouillé. Désolé Paul, mais l'atterrissage va être repoussé. Je savais que je n'aurais jamais dû laisser un lézard faire un travail de poulain. Exact, espèce de fausse volaille. Maintenant, c'est vous qui allez être pris pour cible. Je ne suis peut-être pas un vrai poulain, mais je sais piloter et attaquer comme personne. Ça, je vous le garantis. Un petit œuf cocotte. Prenez ça. Bon, ça n'a rien de personnel, mais ce poulet commence vraiment à me chauffer les ailes. J'ai une idée. Marc, approche-toi le plus possible de lui, d'accord? Je t'en prie, me dis pas que tu comptes faire ce que je redoute. Non, pas moi, nous tous. Et si on veut y arriver, il faut toucher notre cible. Hé, doucement, j'ai un plumage très fragile. Allez, Megan, c'est bon, t'es prête à sauter? 1, 2, 3. Vous êtes cuit, Paul Cotte-Cotte. Oh, vous aimez l'acrobatie? Encore et encore. Ah, d'accord. Vous voulez jouer au plus malin? Alors on va s'amuser. Encore et encore. Paco, Megan, vite, il faut les sauver. On a eu chaud. Pauvre petite bête, leur carrière a failli s'arrêter là. Pauvre petite bête, à dormir sans la dégrizzly. C'est pas leur faute, il faut absolument détruire leur collier. Mes petits soldats ne m'aideront peut-être plus, mais peu importe. J'ai plus d'un œuf dans mon nid. Oh, Gringo! Wow, cet œuf est absolument énorme. Vu sa taille, on pourrait nourrir la population de toute une ville. Reste près du poulet, d'accord? Je m'occupe du faisceau aimant. Mais il est bouché, tu t'en souviens pas? Oui, mais pas pour longtemps. Oh non, non! C'est marqué, Tony! Qu'est-ce qui se passe? Votre cervelle de poulet ne fait pas le poids face à nos cerveaux de génie! Voilà ce qui se passe! Ouais! Que Paul Cotte-Cotte est incarcéré et que les petites mascottes ont enfin pu retrouver leur place, on a le droit de se reposer un peu.
Ah, super, voilà que ça recommence. Coucou les enfants, puisque vous êtes là, vous pouvez m'aider à ranger un petit peu? Tout de suite, maman. Ouais, attendez, je suis pas allergique à Marc. Je suis allergique à la nouvelle lessive utilisée par maman. Alors t'es allergique à la propreté? Oh, c'est dégoûtant. Tu vas vite sentir mauvais. Je veux plus que tu t'approches de moi. Hé, arrête, reviens. Tu peux pas me fuir, reviens. Et l'amour fraternel, alors?